21h48, château de Bowser. Je me demande ce qui va se passer là maintenant. Enfin, ce qui s'est passé lors de l'épisode précédent. Bonjour à tous, c'est Monsieur Madness02. Et aujourd'hui, bah, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Super Smash Bros. For Wii U. Et là, on est au château de Bowser. Ok, la pauvre princesse, bah, elle est kidnappée. Et elle se demande. Et on voit que. Ils avaient négocié un traité de paix il y a 3 ans. Et j'espère qu'il s'en souvient, Bowser. Moi, avoir négocié un traité de paix avec vous? Ah, elle est bonne, votre blague de carambar. Moi, ce que je veux, c'est que vous me donniez votre couronne, et je serai le nouveau roi du royaume champignon, ok? Parce que je suis méchant. Vous croyez que je vais donner ma couronne à un type comme vous? Je préfère encore mourir. Ça, c'est bien parlé, princesse. Dans ce chat, aïe, enferme-la dans le cachot tout de suite. Ok, j'y vais, papoulet. Aïe, ça fait mal. Tais-toi et avance. Oh putain, Ludwig, on est la machine à contrôle mental. Hein? Ça avance, papoulet. Mais ça va me prendre toute la nuit pour la finaliser. Elle sera opérationnelle demain matin. C'est tout ce que je peux dire. Très bien, continue comme ça. Voilà. Et demain, je serai le nouveau roi du royaume champignon. Et ça craint tout ça. Bon, ça commence mal déjà dès le début. Tu vas rester ici jusqu'à nouvel ordre, de papoulet. On va te surveiller toute la nuit. Ah, comme ça, la pauvre princesse, ils l'ont enfjolée. La pauvre. Mario, viens à mon secours. Ça commence terrible, là, déjà, dès le début. Et là, c'est en pleine nuit, toujours au même endroit. Dans ce château de Koopa, franchement... Hé, hey, oh! C'est quoi ce bruit? Il se passe quelque chose, là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une attaque surprise? On a tout l'air, hein. Ouais. Oui, DJ. Ça rigole pas. Ouais. Je veux tout péter, mon colonel. Ouais. Il y a un baston, hein. Mais qui peut bien faire tout ce boucan? Oh, il y a un trou, ouais. Parfait. La princesse Peach est là. D-Kong. La diversion de DK a fonctionné. Les gardes ne vous surveillent plus maintenant. Tout se passe nickel. Donkey Kong est là aussi? Oui. Mais ne perdons pas de temps. Je dois vous libérer et après on va rejoindre Carl à l'extérieur. Juste pour savoir c'est qui Carl. Là je me le demande. En tout cas la princesse elle est libérée. C'est déjà bon signe. Allez maintenant on se casse. On se casse les amis. Là, ça se bastonne toujours, donc qui est en train de s'amuser? Quoi? Vous l'avez toujours pas arrêté? Sérieux, il faut faire tout soi-même dans ce château, ma parole. Allez, moi je fonce. Hé, le poilu, arrête ça tout de suite. C'est à moi que tu parles, lézard. Hein? Évidemment, pour qui te prends-tu d'attaquer le château des Koopas de la sorte? Hein? Alors qu'on t'a rien fait. Ferme ta gueule, petit œuf. Et retourne, Dragonadia, je fais ce que je veux, ok? Oh là, lui va lui fermer sa gueule. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moi, tu l'as rendu vénère, Donkey. Je vais t'éclater le citron en moins de 5 minutes. Et je vais te faire bouffer ta mèche. Baston. Allez, c'est parti. On va aller fermer la gueule à Titeuf. Allez, attaque. On va le défoncer. En moins de 5 minutes. Il va rien comprendre à sa vie. Monsieur Titeuf. En tout cas, elle était belle, ta vanne, Donkey. Là, tu avais quoi de lui fermer sa gueule vite fait, là, à Iggy. Bon, allez, sur ce... Ça rigole pas, on va aller le démonter. Alors viens là toi, arrête de bailler. Voilà. Ça va quoi le calmer un petit peu. Tac tac. Donc évidemment, comme d'habitude, je suis toujours face à des CPU niveau 9. Ça change pas. Hein.
parce que je suis comme ça. J'ai réussi à quand même lui faire quelques dégâts, malgré qu'il essaye de tirer. Hop. Aïe, 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 lâche-moi. Merde, j'ai chié ma patate. Pas j'ai mes smash. Ils sont tout aussi puissants. Hein. Voilà. Et le tout sous une musique de fond de Street Fighter. X-Tekken. Allez, tiens, mange. T'as moi, là. Je prends le poids face à la force du singe. Comme dans le titre de la vidéo. Là, moi, je suis invincible. Et il n'y a pas les effets sonores pour dire que je suis invincible. Normal, parce que... Vu que je suis en train de tourner sur ma console, j'ai coupé le son des musiques. Et donc, ce qui pour avoir des musiques personnalisées, c'est pour ça. Et j'ai la flemme de mettre la musique d'invincibilité parce que déjà, vu le montage de malade que je fais sur ce jeu, déjà que juste pour aider, pour savoir ceux qui disent combien de temps je mets pour faire un épisode, et ben je fais qu'un épisode par semaine en ce moment au niveau des tournages. Bon, là, en ce moment, là où vous regardez, j'ai déjà presque tout tourné. Bon, toi, tu me saoules. Oula, je fais gaffe, là. S'il va me tuer, je le sens. Voilà, il m'a tué. Et donc, pour ceux qui veulent savoir, je mets au moins, allez, 3 jours pour faire la vidéo. C'est-à-dire tournage, montage et rendu. Je mets 3-4 jours, à peu près. Vous voyez pourquoi la difficulté du truc. Oh, tu as bonjour plus tard. Et ça fait 3 balles. Ah, arrête de me foncer dedans avec ton bolide. Aïe. Tiens, allez bouffe. Et tiens, bouffe. Tu as goûté la force du DJ. Oui. Tiens. Je charge mon poing. Et tu manges ma patate. Parce que ça fait mal. Les patates de ton petit con font toujours mal. Hop. Tech. On fait gaffe. On continue à le démonter le temps que la princesse Elidie se casse du château. Ils le font bien. Parce que le problème c'est que Mario n'est toujours pas arrivé au château. Donc évidemment, bah, c'est Donkey et Didi qui viennent pour... l'aider. En même temps, hein, pour ceux qui ont suivi le tournoi Extreme SSBB, parce que vu que évidemment ce jeu-là, bah, c'est la suite. Pour ceux qui ont suivi le tournoi, bah, faut savoir qu'évidemment Donkey Kong, Diddy Kong et Peach, ils ont fait partie de la même, mais ils font partie de la même équipe, la Dream Team, auquel c'était avec Lucas, il y avait Lucas et puis Marthe. Voilà. Et donc là, en ce moment, dans le jeu, pour ceux qui veulent savoir à quelle période je suis en train de tourner le jeu, eh ben, je suis en train de le tourner le mois d'avril, juste pour savoir. C'est-à-dire, il y a de cela à peu près 7-8 mois, à peu près. Ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Donc à cette époque-là, je n'avais pas encore le DLC de Lucas. Mais là, actuellement, là, pour ceux qui veulent savoir, je l'ai. Allez, hop. Toi, tu vas me réfléchir, mon gros. Oh, boum. Ah, t'as mal, hein. T'as mal, mon petit œuf. Ouais, maintenant, cette fois-ci, Iggy, je vais plus l'appeler Iggy, je vais l'appeler petit œuf. Comme dirait Donkey. Allez, boum. T'es tellement nul. Je te fous des grosses patates. Et toi, tu comprends rien à ta vie. Allez, tiens. Ah. Au secours. Fous-moi, j'ai une queue et des oreilles de raton laveur. Et agrandi Donkey. Voilà. Alors, reste plus beaucoup de temps. On va pouvoir achever ça. 1, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Bricoulé. Bien, toutes les caméras restent braquées sur DK. Tout se passe comme prévu. Tiens, ça doit être lui, Carl. Ok, j'ai marqué son nom. Ça y est, Carl, on a sauvé Peach. Parfait, préviens Donkey pour lui dire qu'on se replie tout de suite. Ok, je m'en charge. Boum, une pêche dans ta grosse gueule. Alors, Titeuf, tu en veux encore? Hein? Je vais te servir. Allô, grande banane à cacahuètes.
Hein? Ici Cacahuète, nous avons réussi à sauver l'objectif. On se replie. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Ressources. Aïe, ma tête. J'ai mal. J'ai un appel. Qu'est-ce qui se dit encore, monsieur Boom? Va pas te s'occuper. C'est terrible. La princesse, elle s'est échappée. Quoi? Vous n'êtes pas sérieux? Mais qu'est-ce que je vais dire à Papounet? Il va être furax. This is tedious. Ils ont été plus malins que toi. Tiens, Gelmac, qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça? Le singe a créé cette diversion exprès pour que ses acolytes puissent libérer la princesse. Tout est logique, voyons mon petit. Maintenant que tout est dit, que vas-tu faire, Iggy, quand tu seras face à Bowser? Hein? Oh là. Papounet! Ces primates sont plutôt intelligents, mais pas aussi bien que moi. Je me demande justement pendant, combien de temps vont-ils tenir une fois que j'aurai envoyé LOL 136 sur eux. Et ils vont... Et en tout cas, je ferai tout pour amener la princesse Peach ici et que Bowser devienne roi du royaume champignon. Ok. Angel Mac travaille pour Bowser. Déjà, ça s'annonce mal. Là, en ce moment, il pionce malgré tout le refus qu'il y a eu. Papounet! Ouais! Mais t'es fou, Iggy! J'étais en train de rêver que je devenais le roi du royaume champignon! Hein? Qu'est-ce qu'il prend de me réveiller comme ça? Désolé de t'avoir réveillé, mais. Mais. Mais quoi, au juste? La princesse s'est échappée de sa cellule! Magnifique vent! Maudite sois-tu, Princesse Peach! Oui, vénère, la Bowser. Ah, tu l'as dans le cul, là. Prends-toi à 6h53, jungle Congo. Tout est bien tranquille ici. Merci, les amis, de m'avoir sauvé. Sans votre intervention, je ne sais pas ce que je serais devenu. L'objectif est prêt à tout pour aider un de ses compagnons en danger. C'est le but, après tout. À ce propos, l'équipe a recruté un nouveau membre. Oui. Hey, there you are. Désolé de ne pas être présenté avant. Mon nom est Carl. Je viens du village d'Animal Crossing. Il s'est fait attaquer par des Kremlings il y a un mois. Et depuis qu'on l'a sauvé, il a rejoint la bande. Il est très fort. Il peut créer toutes sortes de gadgets 100% naturels. C'est bien écologique, tout ça. C'est génial, tout ça. Maintenant, les forces du mal n'auront aucune chance face à nous. Ils pourront jamais nous vaincre. C'est ce que vous croyez. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Halt, qui va là? Je suis LOL 136, commandant de l'armée de Bowser, et je suis venu reprendre la princesse Peach. Oh putain! Non mais t'as rêvé! Tu crois vraiment que je vais retourner voir ce reptile? Ça, c'est bien parlé! Sache que tu as en face de toi une équipe qui a été jusqu'à la finale du tournoi SSB il y a 3 ans. Alors fais gaffe à ton cul! Je m'en fiche! De toute façon, vous n'avez aucune chance contre moi! Je suis plus fort que vous quatre! Et je vais vous le prouver! Ne sous-estime pas la Dream Team! Ok? Assez parlé! Place à la baston! Et pour cette baston, eh bien, on va prendre. On va prendre Peach! On va la faire combattre un peu! Allez, c'est parti! Et lol, désolé mon pote! Je sais que t'es gentil dans la vraie vie, mais le scénario a décidé ainsi que tu sois méchant. Donc, on va te démonter. Bien sûr, je tiens à vous préciser que pour les mi qui sont présents dans ce jeu, ça, vu que ça soit lors de quel camp ils sont, ça n'a aucun rapport avec la vie IRL, je tiens à vous préciser. C'est juste le scénario qui l'a décidé ainsi, voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça.
C'est pas parce que j'en veux à LOL 136 et Angel Mac que je leur fais subir ça. Je tiens à vous rassurer. Bon. Allez hop. On va continuer à donner une bonne leçon à LOL. Bien sûr, tout ce que je dis sur lui n'est que du second degré, bien sûr. Ok, malheureusement, il a pas pu remonter. En même temps, là, le pauvre, là, il va se faire massacrer. En même temps, on a une des équipes les plus puissantes de tout Smash World. La Dream Team, évidemment. Ça, c'est clair. Alors, imagine si LOL devait faire face à d'autres équipes qui sont présentes dans le jeu, qui étaient présentes dans SSBB, là, il aurait été un petit peu mal. Bon, la Dream Team, ils sont quand même tout aussi balèzes. Hein. Allez hop, bim, un coup de poil, ça c'est fait. Allez hop, tcha, oula, il commence à s'exciter là. En ce moment, c'est moi qui mange le plus de pourcentage et les autres, eux, ils ont rien. En même temps, moi je suis une fille. Les autres, c'est des mecs, ils ont pas peur, ils arrivent à enchaîner tout le monde vite fait. Allez. Ouais, Didi, non c'était Karl plutôt, j'ai cru qu'il allait se suicider, mais non. Oh là 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 là, le pauvre, comment il se fait enchaîner la tronche. Lol là, t'as vraiment pas de bol. Et toi, tu tapes la Dream Team. En plus, tu travailles pour Bowser, donc. Les ennemis, pas de quartier, pour ceux qui travaillent pour Bowser. Allez hop. Boum! Tcha-tcha! Oh là! On s'est excité là, lol! Et nous, on commence à avoir des. Je commence à avoir beaucoup de pourcentages, donc je commence à faire un peu gaffe, mais bon, allez, boum, 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 boum! Oh là là! Coup de marteau en noir dans la gueule là! On peut rien faire face à ça! Ça, c'est clair! Allop! Là, il a presque plus de vie là, il est quasi mort là, lol! Allez hop, tiens, boum. Tu vas manger. Tu vas manger. La force du singe. Boum. Et voilà le travail. Ça, c'est le travail d'équipe. Et voilà le signe de la victoire. Hein? Il est encore debout. Le point autour. Kamehameha. Oh, c'était pas un Kamehameha, je vous rassure. Alors, mais plus, ne te mets plus en travers notre route, ok? C'est nous les patrons ici. Bravo, Donkey Kong. Merci, mais mieux vaut pas tarder à mettre les voiles tout de suite. Car, évidemment, nos ennemis peuvent découvrir notre position actuelle et nous pourrons attaquer à nouveau. Donc, préfère anticiper. Très bien, alors dans ce cas, en route, les amis. Allez, en route. De nouvelles aventures. Pour l'instant, 11h09, Windy Hill Zone. Le soleil, il fait beau. Ouais, il y a Luigi qui arrive. Il était temps. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où suis-je? T'es à Windy Hill Zone. Oh là! Hein? Mais qui êtes-vous? Oh putain! Ça sent l'emmerde! Une embuscade! Au secours! Attention là, ça chier! La Sonic! Yo Luigi! Ça fait un bail, mon pote! Merci pour ton aide, Luigi! Ouais, ils sont pas contents, hein! Ah! Ils reviennent à la charge! Parfait! On va leur montrer qu'on sait se battre! Let's fight! Et moi, évidemment, je vais prendre Sonic, hein, je suis comme ça. Ouais, il y a les matchs à 10, là. Ils doivent être nombreux, les mecs. Et ben, on va les calmer tout de suite. Malgré que... On part un petit peu avec un désavantage, parce qu'on est que deux, et eux, ils sont quatre. Donc, on va faire chasse gaffe, quand même, parce que... Ça risque de prendre du temps, hein, ce combat. On va essayer de les démonter... Je sais pas. Essayez, je vais les démonter avec Luigi.
espérant qu'il va servir à quelque chose. Il va pas faire son trouillard. Oui, du calme, messieurs. Eh, mangez les coups de poing de Sonic. Ça va morfler. Ah! Putain, c'est qui a envoyé cette bombe? C'est le troll. Vas-y, j'ai perdu une vie pour que elle. Bon, ça, au moins, il y en a un qui est mort. Toi, tu vas crever, si tu veux bien. Crevez tous les ennemis. Tiens, dégage. Ça, c'est fait. Ah, tu vas venir. Ah, vous allez venir au lieu de vous en prendre à Luigi, hein. Je sais pas ce qu'il vous a fait. Vous avez une dent contre lui ou quoi? Hey. Décidément, malgré qu'ils ont 100%, ils crèvent pas, les mecs. Déjà, en plus, ces mecs-là, on sait pas qui c'est. Ça a tellement des soldats. Hein. Je sais pas s'ils travaillent pour Bowser ou pour Xilda. Ça, je ne sais pas. Allez, dégage. Et il dégage aussi. Allez. Pour l'instant, il y a le Luigi qui arrive bien à s'en sortir. Là, il gère bien. Encore heureux. Là, il y a une fleur de feu. Ça tombe bien. Allez, du feu. Du feu. Je vais vous cramer. Je vais faire du barbecue. Si vous, si c'est moi qui veux pas finir en barbecue. Allez, venez tous, messieurs. Oh putain. Heureusement que l'autre il m'a pas touché avec son big ball parce que sinon j'aurais été dans la merde. Bon, c'est bien, ils sont en train de crever. Tac, hop. Un autre en moins. Bon, ça c'est fait. Putain, l'autre il a failli crever. Luigi fait gaffe aussi de pas perdre de la vie bêtement. Aïe aïe aïe. Oh, bordel de merde, salope. Yeah, ouais. Oui, j'ai des grossièretés et alors ça me gêne pas. Je le dis bien dans les vidéos. De toute façon, pour moi, les vidéos c'est. C'est mes vidéos, je dis ce que je veux. Voilà, je comme ça. Oh. Ouais, c'est bon, il est mort. À l'instant, j'ai cru qu'il n'allait pas crever. Mais si, il a crevé. Ouais, et un autre est mort. Bien joué, Luigi. Tu fais bien ton boulot. Déjà, ces mecs, ils nous attaquent. Ils attaquent comme ça, sans aucune raison. C'est pas pourquoi. Ouais, ils sont sous les ordres de quelqu'un. Après, comme je le dis si bien, soit c'est Xilda, soit c'est. Bowser. Enfin, ça m'étonnerait que ça soit Bowser parce que Bowser lui il a déjà ses Koopalings et plus des Koopas et tout. Ça m'étonnerait qu'il ait des soldats tout aussi bizarres. Et merde, Luigi il est mort, il a perdu sa première vie. Donc forcément ça peut-être être Xilda. Ouais, je sais pas. Bon. Ils vont crever, messieurs, hein. Vous avez encore beaucoup de vie. Et ce combat risquera d'être long. Ça, je peux vous le dire. En même temps, hein. Ouais, hein, et bon. Ouais, j'ai l'impression qu'il dit. Ouais, c'est bien de m'encourager. Mais là, en ce moment, j'ai beaucoup de pourcent. Faut que je fasse gaffe. Si ils me foutent un smash, je suis mort. Allez, boum boum! Voilà dans votre gueule, ça va vous calmer un peu votre joie de vivre. Big ball là, ça va quoi faire des dégâts? Lolala, merde, bon, en même temps, vu le nombre de pourcentage que j'avais, ouais, pas s'étonner que je crève. Par contre, là, j'ai 7 vies, et il y en a 3 autres qui en ont 7. Faut que je fasse attention quand même, parce qu'ils sont, ils ont toujours l'avantage. J'ai Luigi qui arrive à tenir le bon, mais ils ont quand même encore un peu l'avantage. Ceux qui sont plus nombreux que nous. Et bon, ils vont pas tenir longtemps. Je vais tous les démonter. Si ça, il veut bien.
qu'ils arrêtent de me donner faire des smash, ou si c'est moi qui donne les smash, ok. Ouh, ça va, il a pas le temps de finir. Allez, bouffe. Voilà, mort. Et vous, vous mourrez toujours pas, vous. Vous êtes tenace. Regardez le nombre de pourcentage que vous avez. Tiens, allez, bouffe. Fais attention quand même, Luigi, de pas crever aussi. Ce sera bien. Allez, envolez-vous vers d'autres cieux, les soldats. Catch. Boum. Boum, hop là, voilà. Bien joué. Purée, j'ai cru qu'ils allaient se manger les tonneaux. Le tonneau s'arrêtait bien. Allez, te dégage. Toi, mange. T'as monsieur qui a le pourcentage. Oh, non, même pas. T'as vu, il est coriace, le bétail. Ah, il y en a un qui est mort. Et l'autre aussi. Ça, c'est bien, ça. En train de revenir à la course. Merde, j'ai failli ma bombe. Heureusement que Luigi, il n'a pas été dedans, parce que sinon, je l'aurais tué comme un boulet. Et là, Luigi, il est mort. Attends, fallait pas s'étonner. Vu le grand nombre de pourcentages qu'il a eu. Allez, mangez ça. Mangez ça. Mangez mes smash. Le coup de poing. Non. Sonic a dit non. Il veut pas mourir. Il veut survivre. Hop. Il y en a un qui a perdu une vie. C'était bien. On reprend là un petit peu l'avantage. Bon, il y en a un qui a encore 6 vies. C'est bon. Tiens. Voilà, c'est bon. On reprend un petit peu l'avantage. Enfin, on est un peu égalité quand même, parce que bon, vu qu'ils sont 4 sur nous. Oh là 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 là. C'est le gros bordel, ça je peux vous le dire. En même temps, on est 6 sur le terrain, faut pas s'étonner que c'est le bordel. Ah, et le super champi, là, ça va chier. Ça va chier. Bon, moi aussi. Boum. Merde, je l'ai plus. Attends, j'aurais pu refaire encore quelques dégâts. Allez, hop. Tiens, bouffe, toi. Tu vas t'envoler. Hop. Oh, attention, on ne va pas vous mourir. Hop, là. Voilà, les deux sont morts en même temps. Parfait. Ouais, il calme un peu. Ouh, j'ai cru que Luigi allait te suicider en faisant en remontant. Encore ça va. Tic tic tac, continue. Sacré baston déjà. Et en ce moment, j'y repense, dis. Par rapport aux épisodes précédents, je me demande qui est-ce que va devenir, bah, par exemple, Link, Pete et puis Mario. Où ils sont actuellement. Ça, c'est vrai que je commence à me poser un petit peu la question, là. Oh, putain, non. Oui, c'est bon qui a le marteau. Allez, boum, boum. Putain, vas-y, c'est un CPU, fais chier. Je m'en fous, tu me toucheras pas. Tu me toucheras pas. Luigi. Oh purée, vas-y, je vais essayer de tenter un. Je pensais qu'ils avaient fini, mais non. Bon, je disais que je me demande où sont Pete, Link, quel endroit où ils sont, ainsi que Mario. Parce que vu que ça fait depuis longtemps que. Enfin, ça fait depuis 2 épisodes qu'on les a pas revus. On a évidemment Mario qui va aller sauver Peach, mais bon, elle a déjà été sauvée. Elle sera plus qu'à la retrouver. Et en ce moment, il y a Link et Pete qui veulent essayer d'enquêter sur Xilda. Espérant qu'ils vont pas recroiser le chemin de Dark Pete une fois de plus. Bon, Dark Pete, de toute façon, il a été nul. Tu l'as combattu, bon, en même temps, hein. Oui, je suis en train de meubler en ce moment, parce que vu que le combat est long, faut bien meubler de temps en temps pour que le match
Enfin, l'autre, j'ai cru qu'il allait se suicider. Celui que j'essaie de taper depuis tout à l'heure. Bon, t'as fini de me cracher du feu, toi. Eh, tiens, toi, vol. Un qui a 163%, il est même pas mort. Je sais pas où il est. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Attends, ils se ressemblent tous, donc c'est pas évident. Allez, hop. Tiens, dégage. On a un qui lui reste plus qu'une vie, ça tombe bien. Comme ça, il crèvera. Et on va être tranquille. Tiens, allez, vol. Il y en a un qui reste plus que deux vies. Et les deux autres, ils en ont encore trois. Allez, de la bouffe. Merde, laisse-moi prendre ma bouffe, toi. Je l'ai payé, je te signale. Je l'ai payé avec ma carte bleue. Même si je sais que je suis bleu, mais bon, hein. Pas la peine de faire un rapprochement. Allez, hop. Tiens, la bouffe. Ouais, mais... Tiens, voilà. Ah, c'est beaucoup de vie. Hein. Et nous, on a encore 6 vies. Faire gaffe quand même. De rien perdre. Pas perdre beaucoup aussi. Enfin, surtout moi, parce que vu que moi je suis un petit peu mal, l'autre il crève. Il n'y a plus qu'une vie. Attends une minute. C'est moi ou ça avait bugué, il restait déjà plus qu'une vie. Je sais pas. J'ai cru qu'à l'instant le jeu il avait bugué. Vas-y, c'est bon. Bon, monsieur, au revoir, hein, il s'est suicidé. What? C'est quoi ce bordel? Il n'y a plus de vie, il est revenu. Et c'est quoi ce cheatage là? Eh non! Non! Ça cheat là! Je suis désolé! Le mec il est mort! Il avait plus de vie! Et là il a eu une vie gratuite! Je sais que vous êtes méchant mais bon hein, hein! Faut pas abuser le cassoulet là! Oh! Alors tu vas perdre ta vie, tu vas crever pour le bon! Voilà, là il y en a un qui est mort! Un qui est vraiment mort! Non! Leur pas Sonic! Leur pas Sonic! Allez Luigi! Allez défonce-le! Putain Luigi! T'as quelque chose! Là t'as rien glandé! T'aurais pu faire un gros smash pour les tuer mais non! La flemme! Et la flemme Luigi! Bon. Ils vont dégager! Ouais tiens vol! Voilà, là il y en a un qui est mort aussi, il en reste plus que deux. Attention. Allez, vol. Toi aussi, tu vas crever. Tu veux bien crever. Vol. Voilà, lui il est mort. Il reste plus qu'un. Il est presque dans la merde. Allez, t'es mort. T'es mort, mon pépère. Voilà. Fini. Et on les a tous niqués. Ça, c'est du bon travail. Oh yeah! On leur a mis la pâtée à ces monstres. Ça, c'est sûr. Ouais, mais je me demande ce qu'ils faisaient ici. Et pourquoi ils en avaient à Prano. Alors qu'on leur a rien dit. Je n'en sais rien. Mais mieux vaut qu'on aille prévenir nos amis du danger qui nous menace. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. Let's go! Allons-y, go! Faut épargner les autres. 11h55, zone inconnue. Ok. D'accord, où est-ce qu'on est? Ces créatures se battent plutôt bien. Ils ont réussi à vaincre mes soldats sans problème. Oh, c'est qui, lui? Mais ceci n'est qu'un avant-goût de leur destruction. Le chaos dans ce monde ne fait que commencer. Oh, putain. C'est Dark Samus, lui. En tout cas, on saura ça dans la prochaine partie. Dans le prochain épisode, plutôt. En tout cas, j'espère que celle-là vous a plu. Malgré que la soirée était longue. Mais bon,
ça j'y peux rien. Et si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à le faire savoir, à le faire partager aux autres, comme d'habitude. Et aussi abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres aventures de l'épisode de SSBU, et puis des défis et tout. Et sur ce, je vous dis à tous à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.